Salut tout le monde, c'est à visage découvert que j'annonce la chaîne OSLDC Aide aux SDF. Une chaîne qui va être vraiment à part de la chaîne officielle OSFDC, on s'en fout de ça, la chaîne officielle sur YouTube. Alors pourquoi j'ai envie de lancer cette chaîne? Parce que je me dis qu'à travers la petite intro que je mets à chaque fois dans toutes mes vidéos, il y a un moment où il faut que je me dise, j'ai fait une vidéo de présentation qu'on retrouvera d'ailleurs également sur la nouvelle chaîne. Et je pense que c'est mieux de vous l'expliquer à visage découvert que par les images, par-ci, par-là encore. Je tiens à ce que vous me suiviez. C'est un combat que je mène réellement. Ça vient du cœur. Ça m'embête déjà d'être tout seul pour l'instant sur ce projet. Mais je peux vous le dire, c'est un besoin pour moi de me dire qu'on peut être tous ensemble. Et aider des gens qui sont dans le besoin, qui ont froid dehors, qui ont faim, qui avec l'hiver vont finir par crever. Bon, il y en a qui vont être logés à la mairie de Paris prochainement. Bel acte d'Anne Hidalgo d'ailleurs. Mais je pense que moi, pour moi, c'est pas suffisant. Les Restos du Cœur font du bon travail, les associations de l'abbé Pierre, les Emmaüs et tout, ça fait du très bon travail. Esperanza que j'ai découvert en 2017, c'est du très bon travail aussi. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, s'approcher d'eux, leur parler, leur expliquer l'importance d'avoir un toit sur la tête, de quoi se payer à manger, de quoi vivre, avoir un lit pour dormir, plutôt que d'attendre que les gens viennent juste à vous pour vous donner des sous. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait être capable de dire bonjour à quelqu'un et de lui dire venez, vous êtes en difficulté, je vais vous aider. Je vais vous permettre d'aller loin. Je vais vous aider à avoir une vie normale comme moi. Même moi qui suis pas le mieux loti au monde, je suis quand même loti. J'ai un toit, j'ai ma voiture pour aller et venir entre mon travail et mon chez moi. Je peux aider, je suis là pour ma famille qui mange et dort sous ce toit. Je fais ça avec ma femme évidemment, elle travaille comme moi. Mais il y a une importance énorme, il n'y a pas meilleur bonheur, je pense, que de vivre au-dessus d'un toit plutôt que d'attendre que les gens viennent à nous pour nous aider. Alors je vous le dis, si vous voyez cette vidéo, partagez-la, faites-la tourner et rejoignez-moi dans ce combat OSFDC aide aux SDF. S'il faut que je montre un peu plus mon visage pour vous expliquer pourquoi je tiens tant à ce projet, je le ferai. Mais c'est le moment. C'est tout de suite et maintenant qu'il faut faire ça. Il ne faut pas attendre 10, 20, 30 ans. Parce qu'il y a des SDF qui meurent de froid dehors. Mais je dis bien qu'ils ne meurent pas juste de froid. Ils se les gèlent. Ils meurent tout court. KO, capoute. Il faut les aider. Je pense que c'est tous ensemble qu'on peut avancer réellement. Les aider à trouver un travail. Disons que le but, c'est devenir des guides pour eux. Soyons leurs guides vers un meilleur avenir. Donc si vous êtes tenté, rejoignez-moi maintenant. Donc je répète, soutenez la page OSFDC, on s'en fout de ça, la chaîne officielle, et la nouvelle chaîne que je suis en train de créer, OSFDC aide aux SDF. Et quand j'aurai réussi à constituer une équipe, je peux vous le dire, on avancera et on va pouvoir aider un tas de gens. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se créer un bonheur différent, déjà même de celui qu'on a déjà, et de permettre à des gens de vivre le bonheur. Sur ce, c'était OSFDC et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et des chroniques, des podcasts et autres. Et rejoignez-moi vite. Tchuss!